Bonjour, je m'appelle Elena Alonso et je vais vous parler du tableau que j'ai dans ma maison. Cette peinture, je l'ai achetée dans la rue, à Montmartre. C'est comme un morceau de Paris. Avec des tours Eiffel là-bas, et des gens qui marchent dans la rue, des arbres, c'est très joli. Il me souvient à Monet pour le style impressionniste. Ce dessin, je l'ai même acheté dans la rue, mais à Florence. À ce moment-là, je me suis étonnée de la manière que l'artiste l'a fait, tellement rapide. Et les traits et les gestes de la fille, avec une sensibilité magistrale. Donc, je l'ai acheté. Voilà ici. C'est une papyrus d'Égypte. C'est mon frère qui m'a donné. J'adore la combinaison des couleurs. Doré, rose, noir. Et l'esprit énigmatique et luxueux qu'il transmet. Il nous montre une scène de chasse avec le pharaon et le petit prince dans son bateau. Le pharaon est en train de chercher les oiseaux ou les canards. Mais je crois qu'il y a beaucoup de messages cachés avec les hiéroglyphiques et le poisson, les plantes. Qui sait? C'est magnifique, n'est-ce pas? Comme vous pouvez voir, la plupart des tableaux qu'il y a dans ma maison sont des souvenirs des voyages. Mais ce que je préfère, ce sont des cadres avec des photos de ma famille. Comme celui-ci, qui montre des images de notre séjour à Panama, où nous avons vécu presque 3 ans. Et comme ma fille pratique la photographie analogique, j'ai envie d'encadrer les photos en noir et blanc. Je crois qu'elle est une artiste parce qu'elle capture des moments très naturels. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous profitez de cette vidéo. À bientôt.